En manchette aujourd'hui, deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée le député Yves Perron suite à la fin de la session parlementaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, jeudi 29 juin. On vous rappelle que demain, le 30, CTRB sera fermé. On parle du congé lié à la fête du Canada. Il n'y aura donc pas de bulletin de nouvelles, une petite pause à ce sujet. Et surtout, malgré le congé, on n'oublie pas notre bingo donc mensuel, celui d'une valeur de 2000 $. Donc ce bingo sera présenté sur nos ondes samedi le 1er juillet. Donc un bingo dont les prix totaliseront 2000 $. Donc, pour terminer cette rencontre que nous a accordée une entrevue là, avec Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, nous vous présentons différents sujets qui ont été abordés avec le représentant de notre comté à Ottawa. Dans un premier temps, on l'écoute parler du dossier de la protection des berges. Une autre victoire qui a été assez je ne dirais pas surprenante, mais très intéressante, c'est le comité là, sur le transport, c'est bien ça, je ne vais pas me tromper, oui, oui. Qui a parlé de la protection des berges, puis qui a reconnu aussi cette problématique-là. C'est une autre victoire, là. C'est, je ne dirais pas surprenant, mais agréablement heureux de voir, de voir ces mentions-là dans le rapport. Là. Absolument. Ben, en fait, c'était l'objectif qu'on avait. Et ça, c'est encore un travail d'équipe avec Xavier Barcelot-Duval, qui est notre porte-parole au dossier. Et on a eu l'occasion de faire inviter des témoins de Berthier-Masquinongé qui sont allés au comité permanent. Et leur témoignage a mené à ce que le comité recommande la reprise d'un programme de protection des berges par le fédéral, comme ce qui a été abandonné en 1997. Ça commence à faire longtemps. Hein. Et c'est important de le faire, puis c'est important de le faire pour que ce soit supervisé puis organisé correctement. Okay. Puis les citoyens, ils ne demandent pas nécessairement que le fédéral paye 100%, puis ils demandent un soutien financier, des municipalités aussi, puis une organisation aussi, parce que si vous, vous protégez vos berges, puis le voisin ne le fait pas, bien l'eau elle peut passer par un arbre et terminer votre terrain. Donc, il faut que ce soit quelque chose d'organisé, puis dans les zones où on en a besoin, puis nos infrastructures municipales, comme le mur de Berthier qui fait dur, hein, il est sur le bord de tomber. On est en urgence là-dessus, la ville est en démarche d'ailleurs, on les soutient là-dedans, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça passe par un projet de loi ou ça passe par des règlements? Comment ça risque d'amener là, ce soutien-là? Là, c'est de voir comment le gouvernement va réagir au rapport. Nous, on pense que le gouvernement devrait agir maintenant. T'sais, vous savez, là, il y a des recours collectifs, il y a un paquet d'affaires, puis il y a beaucoup de pression, puis il y a de plus en plus d'organisations citoyennes. Notre comité là, de protection des berges, Mauricie-Lanaudière, Lanaudière-Mauricie, peut-être pas dans le bon ordre, mais... est très actif. Ils se rencontrent régulièrement, les gens sont super optimistes. Puis on va y arriver. Moi, je vous dis, on va y arriver. On ne sait pas combien de temps ça prend, mais on va y arriver. C'est ça. Parfait. On a aussi parlé lors de cette rencontre de communication, notamment de tours cellulaires et de l'accessibilité pour l'entièreté du territoire au niveau des réseaux cellulaires. On écoute un autre extrait. Il y a d'autres sujets de fait. Il y a les tours cellulaires que je suis. Oui, c'est vrai, qui tourne toujours. C'est un dossier que je picosse depuis que je suis député, là, et qu'il n'avance pas à mon goût, évidemment. Dans la dernière année, régulièrement, on me dit il y a un programme qui s'en vient. Fait, parfait, on attend, puis le programme arrive, puis il ne s'applique pas à nos régions. Là, la dernière fois, j'ai un peu pété mon plomb. J'ai demandé une rencontre avec les responsables du CRTC, puis j'ai expliqué la réalité de Berthier-Masquinongé. Puis, à la fin de la rencontre, ils m'ont ouvert la porte à ce qu'on leur fournisse de l'information. OK. Bon, donc, complément d'information, en leur disant, regarde, les problématiques, c'est là. Parce que ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils font des programmes pour la grandeur du Canada. Mais pas. Tu sais, je comprends. Puis là, c'est bien difficile de. Mettons, ils disent, il ne faut pas que tu sois à tant de distance. Si tu es à moins que tant de mètres d'une tour, ben, tu n'es pas couvert parce que. Tu en as une tour, s'il y a des montagnes, le signal est rentré. Bon, c'est un exemple, mettons, c'est un moment de Masquinongé particulièrement. Oui, mais c'est quand même concret, là, tu sais, Fait que là, dans le fond, ils ont ouvert la porte à ça. Fait que là, moi, j'ai lancé un appel aux municipalités. Puis on est en train de ramasser l'information, puis on va la regrouper, puis on va l'envoyer au CRTC. Donc, on respecte le temps de mètre, mais le problème, c'est qu'il y a des obstacles qui sont insurmontables. C'est ça.
Fait qu'en fournissant l'information précise, bien là, on nous a dit qu'on en tiendrait compte dans le prochain appel d'offres. Donc, on se croise les doigts là-dessus. Puis en parallèle, il y a Québec qui fait du travail là-dessus. Ouais. Même si c'est une juridiction fédérale. Ça, c'est, je pense que les gens se rendent compte de ça un peu à la maison. Là. Le gouvernement du Québec fait beaucoup de choses que le fédéral devrait faire puis ne fait pas. Ouais. Le fédéral vient jouer dans nos plates-bandes en santé, en éducation, etc. Puis ne nous transfère pas nos sommes. Je ne partirai pas sur mon discours indépendantiste, mais vous le connaissez. Donc, ça, c'est un autre exemple. Je sais que Québec est en train de cartographier. Donc, on fait un petit peu la job en double. Il y a un journaliste de Trois-Rivières qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit, mais là, ça se fait par Québec. Je dis, oui, mais dans combien de temps ça va être fini? Alors, moi, le CRTC m'a demandé. Moi, j'ai un lien direct avec mes 36 municipalités. Je suis capable de donner l'information. Fait qu'on la ramasse, on l'envoie, pour pire, à ce cas-là, deux fois. Ben, ce qu'on veut, c'est que la première option qui avance puis qui débouche, elle débouche. On le prend, c'est ça, c'est exactement. Ça. On termine cette rencontre avec le député Perron en parlant d'immigration et de travailleurs étrangers. Parce que là, on a l'air assemblé que les passeports, on n'entend pas de cris. Bien là, ça, c'est important pour moi d'être transparent et honnête. Là. Vous m'avez souvent entendu chialer ici. Oui. Bon, les services de déroute, oui, c'est que ça ne débouche pas. Là, ça va vraiment beaucoup mieux depuis je te dirais, un bon 8 mois. Là. Ça, malgré la grève qui a quand même été. On a eu comme une espèce de rééquilibrage des forces. Puis on a vraiment une belle collaboration. Là, je tiens à le dire. Tu sais, quand on chiale, c'est beau, mais il faut le dire aussi. Ça va bien, là, comme c'est vrai, pareil. Fait, au niveau des services, ça va bien. Bien, les passeports, c'est encore long. Je veux dire, on a une meilleure collaboration qu'avant. Ça débouche plus vite. L'immigration, c'est encore très pénible. Ça, il y a vraiment des changements importants à faire là-dedans. Mais quand même, il faut reconnaître là, que les dossiers d'assurance-emploi, tout ça, on a une belle collaboration avec l'unité régionale, puis on est capable de régler les dossiers pour nos citoyens. Puis c'est ça qui est important. Oui. Tu sais, moi, je ne fais pas de politique pour dire, ah, je fais des points, puis je chiale contre le méchant non, fédéral. Non. Moi, je suis sphère le monde. Oui, mais il y a aussi quand, la possibilité. Quand je suis capable de donner un service de qualité à mes gens, c'est ça que. Fait que je le nomme aussi parce que vous m'avez entendu chialer pendant la COVID, puis tout ça, là, que ça ne fonctionnait pas. Bien là, ça va beaucoup mieux. Mais ce n'est pas parfait, clairement. Puis l'immigration, c'est un gros enjeu. Tu sais, quand on dit, là, au projet du siècle, on veut avoir 100 millions de Canadiens, bien, t'as une minute, on n'est pas capable de traiter les dossiers qu'on a maintenant. Là. Mettez-vous dans la structure, puis commencez à travailler comme du monde si vous voulez qu'on ait plus de gens. On termine notre semaine d'information sur les ondes de CTRB en vous présentant quelques extraits du Conseil municipal extraordinaire tenu, c'était début lundi l'autre semaine, le 19 juin dernier, par et qui impliquait bien sûr les élus de la ville de Berthierville. Il sera question en rafale de la table des aînés, de la maison des jeunes, mais aussi d'un contrat relatif à l'entretien à l'aréna Joanie Rochette. H11, table des aînés, Paul Berthier, nomination d'un représentant. Madame Laurent. Considérant le courriel daté du 6 juin 2023 provenant de la présidente de la table des aînés du Paul Berthier, association d'organismes en lien avec les personnes âgées de la région, regroupant Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Visitation de l'Île-du-Port et Saint-Ignace-de-Loyola. Considérant que l'organisme désire connaître l'intérêt de la ville de Berthierville à participer à nouveau avec l'organisme, en conséquence, je propose de déléguer le maire Dominique Perrault à titre de représentant de la ville de Berthierville pour siéger à la table des aînés Paul Berthier. OK. C'est appuyé par? J'appuie. Merci. Ça va? Ça va. Adopter une ligne. Oh, ça va être avec un très grand plaisir que je vais H12, Maison des jeunes de Berthierville, accès à la piscine municipale pour l'été 2023. C'est comme chaque année, c'est un truc qu'on remet en fonction à chaque année. Donc, je demande à M. Frenière de faire la lecture. Considérant la demande datée du 6 juin 2023 présentée par la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier, organisme sans but lucratif situé à Berthierville, considérant que l'organisme désire bénéficier d'un accès gratuit à la piscine municipale lors de la sortie de groupe, tenant compte que leur clientèle inclut des personnes demeurant à l'extérieur de la ville de Berthierville, considérant le règlement numéro 925-10 concernant la tarification des activités de loisirs, en conséquence, je propose d'autoriser l'accès gratuit à la piscine municipale pour les sorties de groupe de l'organisme La Maison des Jeunes, La Jeunesse Berthierville, pour la saison 2023. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. Sur la gauche, à droite, à ma gauche. À droite, à droite. À droite, à droite. À droite. À droite. À droite.
contrat relatif à la préparation d'entretien de la DLAS, surveillance des activités de la région de Joigny-Rochette et entretien ménager du centre de Villeneuve, prolongation du contrat. M. Frenière. Considérant la résolution 2023-06-157, autorisant la publication d'un appel d'offres public à l'égard de la fourniture de services relatives à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, considérant que l'ouverture des soumissions est fixée au 13 juillet 2023 afin de respecter les délais légaux d'appel d'offres, considérant que la Ville de Berthierville désire assurer la mise en opération de l'aréna à compter du 9 septembre prochain, considérant l'offre datée du 13 juin 2023 émise par la compagnie Sodem permettant la prolongation du contrat jusqu'à la date du début du prochain contrat octroyé suite à la procédure d'appel d'offres, en conséquence, je propose d'autoriser la prolongation du contrat relatif à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve à la compagnie Sodem sur une base mensuelle à compter du 1er juillet 2023 au coût mensuel de 18 830 $ plus les taxes applicables, et ce jusqu'au début du prochain contrat qui sera octroyé suite au processus d'appel d'offres en cours. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Favorable. À l'unanimité. Petite parenthèse, quand même une hausse de coût pour l'entretien. Alors, évidemment, hausse de coût, il y en a un petit peu dans tout. Ça devrait découler vers l'augmentation de coûts ici pour les locations d'heures et de publicité, et ainsi de suite. H14, Arena contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération du Frenière. Considérant que le contrat est intervenu avec la compagnie Climat Control SB Inc. en vertu de la résolution 2023-07-225 relatif à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'aréna Joigny-Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la tour de refroidissement à l'eau et des condenseurs évaporatifs prend fin le 30 juin prochain. Considérant l'offre de service de la compagnie 0C Climat Control SB Inc. datée du 14 juin 2023, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 0C Climat Control SB Inc. le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace de l'aréna Joigny-Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la tour de refroidissement à l'eau et des condenseurs évaporatifs pour une durée d'un an, se terminant le 30 juin 2024, et ce, au coût annuel de 12 502,35 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service, datée du 14 juin 2023. Merci, c'est appuyé par... J'ai appuyé. Mme Fontaine, je rappelle au vote. À ma gauche. Favorable. Quelle unanimité. Sur ce, passons à la pause. Mon nom est Annick Sténeau, je suis intervenante père aidante à l'envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous.
Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires à souligner. Tout d'abord, pour le 29 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louisette Bellé et André Fréchette. Pour le 30 juin, la FADOC souhaite bonne fête à François Julien et à Martine Aubuchon. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou demain, puisqu'on ne sera pas, il n'y aura pas de bulletin de nouvelles. On en profite pour vous souhaiter bonne fête. Donc, on poursuit les informations. Le 13 juin dernier, les officiers du service de sécurité incendie, le SSI, de la municipalité régionale de comté de Dautré, donc de notre MRC, ont participé à une formation sur l'application et la compréhension des nouvelles règles concernant les obligations des services incendie envers la protection de son personnel lors d'un incendie, plus particulièrement sur l'équipe d'intervention rapide. Cette formation a été donnée par le formateur Jean Hamel du Collège Montmorency, suivant une présentation de l'Association pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales, au dernier congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Nous trouvions important de s'assurer de la bonne compréhension de ces règles par tous nos officiers, a souligné André Roberge, qui est le directeur du service sécurité incendie de la MRC de Dautré. Grande nouvelle à la maison Louis-Cyr, c'est à Saint-Jean-de-Mata. Le très en demande jeu d'évasion de la maison Louis-Cyr, offert sur place au musée, est de retour. En effet, du 4 juillet au 4 septembre prochain, l'institution muséale de Saint-Jean-de-Mata offrira une toute nouvelle version de son jeu d'évasion, ayant pour titre « Mirsa Mystère au cirque Cyr Barré ». Parfait pour les personnes qui désirent s'initier à l'univers des jeux d'évasion, les participants pourront mettre à l'épreuve leur esprit logique, leur sens de l'observation et leur capacité de déduction. En équipe de 2 à 8 personnes, les enquêteurs pourront résoudre différents jeux et énigmes, exécuter de délicates manipulations et faire des fouilles afin de trouver toutes les combinaisons des différents cadenas à chiffres, ailettes ou directionnels. Des départs ont lieu du mardi au dimanche, départ à 10h45 et à 14h. Dû au niveau de difficulté des énigmes, il est recommandé que les participants soient âgés de 12 ans et plus. Pour en savoir davantage au sujet de la maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Mata et de ses activités, on vous invite à communiquer avec l'équipe au 450-886-1666. Possible aussi de visiter le site web de la maison Louis-Cyr. Sur ce, passons à la pause. Thank you.
CHSLD Le Piémont, le 19 juin dernier, à 62 ans. Est décédée Mme Diane Bissonnette, épouse de Marc Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marc-André Lefebvre, Andréanne Bocage, sa petite-fille Anaïs Lefebvre, son père Denis Bissonnette, feu Micheline Latour, ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Hélène Bissonnette, Claude Moreau, Sylvie Bissonnette, Luc Chevalier, Claude Bissonnette, Jocelyne Plante, Guy Lefebvre, Céline Bergeron, Luc Lefebvre, Lise Beauregard, Louise Lefebvre, Daniel Riquier, Marie Lefebvre, André Saint-Georges, son filleul Eddie Chevalier, sa filleule Mélanie Saint-Georges, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 30 juin de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h30. Madame Bissonnette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. À son domicile, le 6 juin, à 79 ans, est décédé M. Michel Lebeau, époux de Joanne Trudel, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juillet, dès 10h, à la chapelle du complexe, complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 11h. M. Lebeau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. À Terrebonne, le 30 mai, à 47 ans, est décédé Mathieu Forgette, fils de France Blais et de feu Jean-Pierre Forgette, demeurant à Terrebonne. Il rejoint son frère Simon, ses cousins David et Martin Blais. Il laisse dans le deuil son fils Lucas Gaudreau-Forgette, la mère de son fils Nathalie, sa mère France Blais, Raymond Maltais, ses oncles Jean Blais, Ginette Simard, Yvon Forgette, ses cousins Denis Forgette et Alain Trempe, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 1er juillet dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Mathieu Forget sera inhumé ce même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juin, à 90 ans, est décédé M. Maurice Cyr, époux de feu Réjeanne Bouteau, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants Serge Cyr, Jacqueline Vautour, Manon Cyr, Jean-Marc Proux, Nathalie Cyr, Paul Paquette, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 2 juillet dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon du complexe à 15h. Les cendres de M. Cyr seront déposées au colombarium du complexe de Berthierville. À son domicile, le 21 juin, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Carmen Desrochers, épouse de André Baudet, demeurant à Berthierville, native de Drummondville. Lui a précédé son frère Clément. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marjolaine Baudet, Benoît Morin, Alexis Baudet, Émile Baudet, Diamana Latour, ses petites-filles Blanche, Baudet-Duceppe et Marguerite Baudet, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Claudette Desrochers, Michel Desrochers, Monique René, Jean-Guy Desrochers, Daniel Hamel, Christian Baudet, Monique Charbonneau, Michel Baudet, Denis Valois, Donald Baudet, Suzanne Desjardins, Suzelle Baudet, Éric Baudet, Vicky Blanchette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que sa chatte Lily. La famille vous accueillera lundi le 3 juillet dès 13h au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À Montréal, le 7 juillet, à l'âge de 63 ans, est décédé James William Jimmy Murphy, fils de feu Donald Murphy et de feu Marguerite Turner, demeurant à Montréal. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGraw, Roger Murphy, Danny Laforêt, feu Donald Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Guylaine Murphy,
sa grande amie de toujours, Mona Lefebvre, sa filleule Mélanie Saint-Martin, plusieurs neveux et nièces, ainsi que autres parents et amis. La famille sera présente samedi, le 15 juillet dès 15h, au cimetière de Saint-Ignace de Loyola, suivra un hommage à 15h15. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 juin, à 96 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, épouse de feu Laurent Massé et conjointe de feu Hubert Clément, demeurant à Saint-Charles-Borromée, natif de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Alain, Lisco Martin, ses sœurs Marie-Marthe et Marie-Claire, Françoise, Marie-Paul et Gertrude. Elle laisse dans le deuil ses filles, Micheline Massé, Guy Gauthier, Guylaine Massé, Guy Branchot, ses petits-enfants, Carl Gauthier, Stéphanie Dandonneau, Francis et Alexis Gauthier, Marilyn, Maxime Desruisseaux, ses arrière-petits-enfants, Émy et Léane Gauthier, Alicia et Tristan Desruisseaux, son frère et ses sœurs, Jean-Charles Roy, Odile Ladouceur, Carmel Roy, feu André Fafard et son conjoint Adrien Lemire, Agathe Roy, feu André Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, Viateur Laurando, feu Gertrude Roy, Camille Massé, feu Juliette Bélan et sa conjointe Pierrette Dugré, Hélène Désy, feu Jacques Massé, Jeanne Lévesque, feu René Massé, Lorraine Lamoureux, feu Paul-Aimé Massé, Yvonne Massé, feu Claude Cormier et son conjoint Sonny Massé, Pierrette Philibert, feu André Massé, Lorraine Bellemare, feu Denis Massé, Gérard Massé, Michel Farley, Bruno Massé, Ginette Bussière, Madeleine Sylvestre, feu Richard Massé, Yves Massé, Manon Dubois, Christiane Massé, Jean-Guy Blanchet, ses belles-filles et ses beaux-fils. La famille vous accueillera samedi le 29 juillet dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Roy sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera nuageux avec orages dispersés. Une température de 25, un temps ressenti de 31, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, c'est un ciel variable, une température de 22, un temps ressenti de 26. Jeudi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 20. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 32. Vendredi soir, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 24, un temps ressenti de 30. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la possibilité d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 33, environ 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera possibilité d'orage, une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 10 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 à 3 mm de pluie. Le dimanche matin, c'est des risques d'averse, une température de 20, un temps ressenti de 22, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera de la possibilité d'orage, une température de 26, un temps ressenti de 34, moins de 1 mm de pluie. Le dimanche soir, c'est de la possibilité d'orage, une température de 23, un temps ressenti de 29, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est nuageux avec orage dispersé, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.